Coucou les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la vidéo sur la Little Box du mois de février. Donc je l'ai déjà reçue, sachant que d'habitude je la reçois vers le vent. Là on est le 8, allez comprendre. Donc c'est la box de février, je viens de le dire. Non, je vous jure pourtant. Alors je ne vais pas vous donner mon ressenti tout de suite. Putain, j'ai un truc dans l'œil, je suis désolée. Je l'ai déjà ouverte, bien évidemment. Donc j'ai déjà un petit peu mon avis. Et voilà, c'est la box de Saint-Valentin. Donc elle s'appelle My Little Coquine. Coquine, pas coquine. Coquine box. Donc avec une petite madame qui fait un petit peu cochonou. Je vais essayer de vous la montrer, la petite coquine. Voilà. Donc, évidemment, je l'ouvre, sinon vous ne saurez jamais ce qu'il y a dedans. Alors, pour celles qui ne l'ont pas reçu et qui ne veulent pas savoir tout de suite, évidemment, arrêtez la vidéo. Donc, en premier, nous avons une petite carte, donc avec un petit monsieur de dos et une dame qui lui fait un câlin. Donc, il y a écrit « Un baiser est une gourmandise qui ne fait pas grossir ». Donc, c'est une phrase apparemment de Marilyn Monroe. C'est les petites cartes de Little Box quoi. Ensuite c'est le livre ce mois-ci. Il est comme ceci, d'habitude il est cartonné. Alors là il est un peu, il est souple. Il s'appelle My Little World, le monde nous inspire, d'humeur coquine. Donc c'est le petit livre comme tous les mois quoi. Donc là c'est basé sur la Saint-Valentin. Regardez qu'est-ce qu'il y a d'écrit, j'avais pas vu tout à l'heure. Vous voulez voir ce qu'ils mettent? C'est leur playlist. Et vous mettrez pause. Évidemment, je vais pas rester comme ça pendant 3 heures. Donc, voilà. Little Box est un petit peu chelou. Alors, ensuite. Alors, ça, je vous le garde pour la fin. Vraiment, je crois que c'est le goodies le plus chelou que j'ai jamais reçu dans la My Little Box. Alors, en premier, nous avons étiquette à coller dans les chemises de votre mec. Donc, en fait, ce sont des espèces d'étiquettes comme ceci que vous collez dans les chemises. Alors, il y a marqué dans les chemises, mais je pense que c'est collable ailleurs. Donc, dans le col. Donc, il y a une petite dame à moitié à poil. Donc, en slip, on voit avec des guêtres et tout. En train de coller ça sur la chemise de son chéri, donc c'est des choses à coller avec le fer à repasser. Et en fait je vais l'ouvrir, ça sent pas très bon. Ouh. Alors on a homme de ma vie, si tu enlèves le haut j'enlève le bas, en fait j'essaye de lire comme ça. Restons amis, cet homme appartient à... Et si vous mettez votre prénom, bien évidemment. Merci pour la nuit, patouche, etc. Enfin non, il n'y a pas d'etc. parce que ça devrait être là. Donc... Et en fait, il y en a deux à chaque fois. Oh, c'est bien ça, ils nous en ont pas mis qu'un. En fait, il y en a deux à chaque fois. Donc du coup, vous pouvez lui en coller partout, sur tous ses vêtements. Moi, je vais mettre celui... cet homme appartient à... Non, enfin bon. Alors c'est gadget, c'est rigolo, c'est pas sûr que tous les hommes apprécient. Quand même. Ensuite, au fond, nous avons un extrait du livre de Pauline Réage, Histoire d'eau. Donc on va passer au pochon. Alors, qui n'est pas fameuse. Mais avec un seul produit, vous êtes remboursé. En fait. Donc, vous êtes remboursé de votre box. Donc, ce fameux produit, c'est un beurre corporel de chez The Body Shop. Donc, à peu près tout le monde aime les beurres corporels de chez The Body Shop. Donc, moi, j'ai celui à la fraise. Je ne sais pas s'il y aura d'autres odeurs,
Mais bon, ça sent très bon. Ils ont mis dans le mille, ça va quoi, ils se sont pas trompés. J'aurais préféré framboise, vous doutez bien. Mais ça va, ils se sont pas trompés. J'aime beaucoup la fraise, il y a pas de souci. Et ça rembourse la box parce que je crois c'est 18, 12, je sais plus. Donc ça va. Mais c'est vrai que j'aimerais bien découvrir des produits, les beurres corporels de Body Shop. Bon, il y a encore 2-3 mois, je les connaissais pas très bien, mais là, maintenant, voilà quoi. Et on a donc, comme c'était prévu depuis le mois dernier, ils ont fait une gamme à leur nom. Donc My Little Box a fait une gamme à leur nom. Donc le mois dernier, on avait une crème pour les mains. Et ce mois-ci, on a eu un gommage corps au miel. Donc qui est grand quand même, hein, qui fait 75 ml, qui coûte sur leur site 12 €. Donc c'est pareil, avec ça vous êtes presque remboursé de votre box, parce que la box coûte 15,50 € avec les frais d'envoi. Je l'ai senti, alors ça sent le miel très très fort, c'est pas mon odeur préférée, c'est sûr, mais bon, ça va quoi. Ce sont des grains très très fins. Je sais pas si vous allez les voir, si vous les voyez là. Ce sont des grains très très fins et ça sent vraiment le miel. Hein. Y a pas de... Ça me fait penser un peu au beurre corporel The Body Shop, c'est l'odeur quoi. L'odeur est vraiment respectée. Vous sentez, vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'autres trucs chimiques dedans. Dedans il y a du miel, du sucre et de poudre de noyau d'abricot. Donc voilà, il n'y a que 2 produits dans le machin. Ce sont 2 full size. Enfin, le produit My Little Box est un full size, mais le beurre corporel, c'est un full size. Donc vous êtes remboursé rien qu'avec ces deux-là, largement. Avec ces deux-là, vous en avez 2. Et donc, le dernier goodies, c'est dans une petite poche comme ça, qui est très jolie. Donc c'est une culotte dessus. Donc il y a marqué petite culotte pour découcher. Donc je vais vous le montrer quand même, même si... La Little Box a pété un câble ce mois-ci, je crois. Et donc, c'est une culotte. Voilà, c'est une culotte. Alors, qui est très jolie, ma foi. Hein, qui se défait sur les côtés. Donc, ça, c'est des hommes, généralement, ils aiment bien. Vous voyez, ça se défait des deux côtés. Donc, qui est noire avec plein de petites froufrous. Qui est élastique, en plus. Hein, du coup, vous avez pas mal. Enfin, ça sert pas, quoi. Qui est très jolie. Qui est très jolie. Mais c'est vrai que les sous-vêtements, c'est... Voilà, quoi. J'ai... Alors, j'ai ouvert la box avec mon chéri à côté. Ben, lui, il a pas dit non à la culotte. Il en trouve très jolie, tu me diras. C'est un mec, quoi. Ce qu'il a aimé, c'est les petits nœuds, en fait, sur le côté. Donc, voilà, c'est une culotte. Hein, vous l'aurez bien compris. Vous l'aurez bien vu. Moi j'aime bien le petit pochon par contre. On a foutu du slip. Voilà. Voilà pour la box du mois de février. Alors je vous l'avais dit, c'est pas la box la plus grandiose du monde. Alors la culotte c'est un peu gadget, un peu bébête. Mais bref. Les deux produits qui ont l'air. Enfin, le beurre, enfin les beurres corporels The Body Shop sont très bien. Donc. On est sûr de ne pas être déçu, mais on connaît. Peut-être pas tout le monde. Enfin, maintenant, le Body Shop, c'est quand même connu. Le gommage au miel. Bon, bah écoutez, c'est la marque My Little Box, donc ça fait découvrir. Ça, c'est gadget, mais c'est marrant. Mais je trouve que pour une box de Saint-Valentin, c'est pas terrible. Voilà, je trouve que pour la Saint-Valentin, ils auraient pu faire mieux. Moi, je m'attendais à du make-up en fait, un truc pour se faire, enfin pour vraiment se faire belle, je veux dire, c'est pas un rouge à lèvres rouge pour un Saint-Valentin quoi, je sais pas, ou à l'inverse, enfin si vous aimez, enfin un mascara ou un crayon, j'en sais rien, vraiment un truc pour sublimer un peu le maquillage avec peut-être un. Ou je sais pas, je m'attendais peut-être à une huile pour se masser. Je sais pas. Mais je m'attendais absolument pas à une culotte. Ça, c'est certain. Voilà. Je suis pas déçue. Je suis...
il y a eu pire. Donc voilà. Mes oreilles, je m'attendais à mieux. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, que mon avis vous aura intéressé, même si l'avis de chacune est différent. Et surtout, on n'aura pas forcément les mêmes produits. Je pense que les barres corporelles, ils vont nous mettre des odeurs différentes, je pense. Donc la culotte, peut-être nous n'aurons pas la même couleur. Ça m'intéresse. N'importe quoi, grosse voyeuse. Non, non, je jure, je ne suis pas une voyeuse. Donc voilà les filles, qu'est-ce que je peux vous dire de plus à part que je vais vous faire des gros bisous, évidemment, et je vais vous dire à la prochaine vidéo. Bye bye!